Messieurs, dames, la société, nouvelles en vine partager avec vous même là, c'est un gros coup de poing allié pour ancien sénateur Guy Philippe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jeudi, c'est une date Guy Philippe a jamais oublié. Après installation conseil présidentiel, la fin fête dans le pays d'Haïti, bagaille ça qui te dérangé ancien sénateur, avec toute reste qui plio. Malgré ça, sénateur, t'es de quoi que bring gros mouvement pour le fête. Tenez bien, nouvelle arrivée dans oreilles Guy Philippe jeudi, bagaille ça pas arrêté bien du tout. Mais faut connait qu'il y a plusieurs petits problèmes. Moi parle pas tout détail, moi l'explique ça qui passé dans la vie ancien sénateur Guy Philippe dans moment n'a parlé là. Dans moment ça a pas gagné question président Guy Philippe encore. Jodi là monsieur CPO, il finalement fait tout le monde saisi. Moi-même les informations arrivées devant m'a posé tête mes questions, est-ce que monsieur ça au sérieux? Les m'a attendre c'est Guy Philippe qui vous prend pouvoir, les m'a attendre c'est Guy Philippe qui vous vient diriger pays pour retirer pays dans ça qu'il y a là. Et mais c'est bon 10h m'a pas prendre monsieur dans villa d'accueil débarquer pour aller faire élection pour élire un nèg dans tête pays. Dans moment même n'a parlé à mesdames mademoiselles et messieurs, pays d'Haïti gagne un collège présidentiel cap menel, mais gagne un président, président ça y aurait les taux Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, c'est tout monsieur on dans collège présidentiel là qui décide de choisir. Et pourtant, ancien sénateur Guy Philippe lui-même, il tape donc peuple haïtien levé campé, il tape en pile mouvement fait pour être capable empêcher monsieur CP Sao installer et même empêcher monsieur Sao river mettre un président voir pour monsieur t'arriver mettre un premier ministre. Histoire ça, il pratiquement pral écrit dans cahier monsieur Guy Philippe comme une histoire terrible. Est-ce que dans moment on a parlé à là ou capable parler de président Guy Philippe encore? Est-ce qu'on a parlé de Guy Philippe qui a résolu le problème? Est-ce qu'on a parlé de Guy Philippe puisque révolution, mesdames, mademoiselles et messieurs, messieurs dans le collège présidentiel là, yo fait le bref farine. Mais ça qui est terrible, c'est l'on a gardé Figi Moïse Jechal qui a pris monsieur dans le mouchoir. C'est l'on a gardé Figi Moïse Jechal qui sentit son victoire terrible qu'elle prend sous monsieur Guy Philippe. Claude Joseph, monsieur ça a été déjà à joindre Guy Philippe, monsieur ça a été déjà à rencontrer Guy Philippe. Imaginez pour qu'on y a là, monsieur Antoine. Yo, y a grillé deux sous aussi sénateur Guy Philippe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bap kito tant de m'top, m'bral vin avec trois audio ou trois vidéos pour là, m'bral kito tant de nouveaux toro, mes frères et sœurs amis qui c'est président, m'bral kito tant de l'autre voleur yo bay pour Jéchala, deuxième mafia yo bay pour Claude Joseph là. Donc, ancien sénateur lui-même, m'bap kito tant de l'enfin, parce que réaction ça est bon réaction petit, ou m'bral saisi tant de mes causes. Conseiller Finel Joseph, président du conseil électoral, qui devait organiser les élections pour la présidence du conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du conseil. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin. La presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, OK, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crise profonde qu'a marqué Payan depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettait en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix de premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026,
conseil là fini mandat et faire une passation de manière à ce que nous engager définitivement dans une période de stabilité pour pays hein, et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons le conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout monde qui est caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que conseille la guerre pour le mener dans tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter mandat ça. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouvait que nous sommes capables. Nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base ça seulement que nous, dans le conseil, là, nous croyons que nous sommes capables de porter des résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encourager nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout le peuple haïtien qui a des yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'ont même trouvé que nous t'es en retard, nous devons aller plus vite. C'est normal qu'ils soient pressés parce qu'ils ont souffert. Nous pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de fait nous consolider et nous assurer que l'autre pas c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de la crise. Bon, nous-mêmes, nous avons décidé de voter sagesse, nous avons décidé de voter humilité, nous avons décidé de voter sobriété, nous avons décidé de voter une transition de rupture et réconciliation. Nous avons décidé de voter une transition pacifique qui va pouvoir persécuter adversaires politiques. Nous avons décidé de faire sacrifice, débloquer le pays. Petite Dessalines a aidé. Nous avons constitué une majorité comme instigateur et nous avons choisi Edgar Leblanc comme coordonnateur. Ce n'est pas un choix qui était facile parce que sénateur Maurice Jean-Charles se dit tout à l'heure, nous avons gagné un candidat par nous. Mais après, en pile réflexion, nous croyons que pas un sacrifice qui est trop difficile pour faire au pays. Nous désigner Edgar Leblanc dans la majorité qui constitue un accord politique qui n'est pas dépendant avec accord politique 3 avril. Là. Nous faisons un accord politique qui n'est pas dépendant avec projet, décret que tout secteur ont été d'accord sur lui pour nous capables de débloquer la situation, créer stabilité et permettre que la transition les réussisse. C'est ça qui est l'objectif là et c'est ça qui est priorité. Non. Chantier prioritaire, je dis, c'est sécurité. Sécurité pour capable organiser élection qui pas une élection type passe-court. Côté tout le monde, même si vous êtes dans le conseil là ou pas dans le conseil là, pour gagner même chance pour capable gagner l'élection. Et c'est, je nous ai dit tout à l'heure, faut que c'est une transition de rupture totale avec les anciennes et les mauvaises pratiques.
Merci. Merci. Avant tout, il faut qu'on ait moins son grand maître politique. Je le connais ça. Ça veut dire qui ça, c'est ça? Ça veut dire que je comprends pile bagaille. Et nous, mes pays, nous baille intérêt nation, priorité sous intérêt personnel. Comme on voulait pour moi, ensemble avec l'autre acteur, et puis pays nous bloquer. Qui ça bloque? Négociation, intérêt personnel. Et bien nous débarquer, nous dit, un, nous avons prêté ce candidat nous-mêmes que nous gagnons. Gilles, ancien sénateur Gilles, c'était candidat par nous. Mais nous avons payé un bloqué. Il n'y a pas de casse d'élection encore. Qui ça nous dit? Nous retirons candidat par nous. Nous choisissons l'autre monde et nous faisons majorité avec elle. En même temps, nous négocions pour le premier ministre. Son façon, pour nous, si l'école carré ouvert, parce que Timounio sorti pour perdre année l'école là, il n'est pas possible pour Timounio perdre année l'école. Deuxièmement, citoyens haïtiens en danger, en bas insécurité, il faut chercher une solution pour l'insécurité. Hein. Et pour toute sa fête, il faut qu'on croit un coordonnateur dans le conseil là. Hein. Ensuite, les filles qui sont là, il faut qu'on premier ministre, nous négocions le premier ministre tout. Pour qui ça, tout le ça yo? C'est pour nous aussi faire l'école là ouverte, résoudre le problème insécurité, hein, résoudre le problème fatra, diaspora pas qu'à voyager, avion pas à voler, pays en bloqué, moun pas qu'à cycler dans le pays. Hein. Monsieur certain, si pas ça, sont pas vers l'avant qui portent l'espoir pour les haïtiens. Hein. La communauté internationale tout, qui a un pile problème, ils ne sont pas à l'aise avec la situation ça. Monsieur certain, car ils sont contents, les États-Unis contents, le Canada content, la France content, toute communauté internationale content, la Chine content, la Russie content, parce que nous prenons une décision pour nous favoriser payant sortir dans ce lieu là aujourd'hui. Hein. Pas de monde qui est content, pas de monde qui est espoir dans le pays. Hein. Mais si j'ai symbolique ça, je veux dire un peu pour les Haïtiens. Les Haïtiens, je veux nous connaître, quel que soit le sacrifice qu'on a fait pour nous retirer le pays dans ce lieu là aujourd'hui. Nous hein. Parlons avec tout le monde. Pendant le week-end, je parle avec les bourgeois, je parle avec un pile ambassade, je parle avec un pile monde au niveau international, je parle avec les partis politiques. C'est ça qui va nous résultat ça. Eh bien, son bon pas, et qu'on a nous parle travail. Nous parlons mettre nous au travail pour nous voir comment nous retirer les pays dans la situation. Premier travail que nous parlons. Qu'est-ce que vous pensez de Fritz Pellissier comme premier ministre? Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un personnage extrêmement important dans le pays. Il est un ex-premier ministre. Il connaît l'État très bien, il sait diriger. C'est pourquoi on a identifié Fritz Belizer comme une personne extrêmement importante. Merci beaucoup. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.